Le maître a dit. Le maître a dit, une émission qui révèle les grandes leçons cachées dans les enseignements du maître. Le maître a dit, une émission qui vous rapproche de ce que le maître a dit au cours d'une émission passée. Le maître a dit, une émission qui vous conduit vers les orientations contenues dans certains ouvrages du maître. Prenez le rendez-vous tous les jours sur votre chaîne préférée, HMD4, la métaphysique, notre idéal. Quatrième rubrique de l'émission, ce que nous ferons désormais, maître. Oui, ce que nous ferons désormais, et là je vais m'adresser aux néophytes qui sont en fin de formation, en fin de, oui, de période d'essai, parce que cela aussi c'est une formation. Et je voudrais vous recommander, chers amis néophytes, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour rendre votre inscription en ski préliminaire, rendre cette inscription effective le 20 janvier 2024, délai de rigueur. Voilà. C'est-à-dire que vous êtes attendu le 27, il faut que tous vos dossiers soient remis à nos bureaux afin de nous permettre, dans l'intervalle de 3-4 jours, de vérifier et de certifier que vous êtes prêt pour être accueilli chez nous. Vous avez suivi tout à l'heure ce qui vous attend en termes de bénéfices, c'est-à-dire de ceux dont vous allez jouir gratuitement. Bien sûr. Donc, prenez vos dispositions. Je voudrais maintenant m'adresser aux néophytes, toujours en fin de période d'essai. Je voudrais vous recommander, chers amis néophytes, de préparer un de vos proches, au moins un. Ça peut être deux, ça peut être trois. Ceux-là que vous allez laisser à votre place une fois que vous entrez dans la grande famille ISEP. C'est-à-dire que personne ne va quitter sans mettre quelqu'un d'autre à sa place. Voilà. Donc, si vous êtes trois à partir en tant qu'étudiant, rassurez-vous qu'il y a trois autres qui vous remplacent. Qui deviennent néophytes. Qui deviennent néophytes. Et c'est avec ceux-là que vous aurez quelques exercices à faire. Et ça va vous renforcer une fois que vous êtes même à l'intérieur de la maison ISEP. Et vous comprendrez le sens des efforts que vous avez fournis, et vous comprendrez aussi ce que vous devez faire et fera fournir pour aller en cycle fondamental plus tard. À l'endroit des néophytes qui ne sont pas arrivés au bout de leur période d'essai, vous avez encore la possibilité de revenir par la porte que nous vous laissons ouverte à l'effet de reprendre vos apprentissages. Je vous recommande de vous rapprocher de nos bureaux pour procéder à une nouvelle inscription. Vous serez alors réadmis dans la deuxième et dernière promotion des néophytes en ce qui vous concerne. Donc si vous voulez, si ça vous tente à nouveau, vous reprenez votre inscription et nous vous acceptons comme néophytes le 27 janvier prochain. Maintenant, si vous ne voulez pas, c'est votre choix, nous le respectons. Absolument. Je voudrais maintenant m'adresser à mes frères étudiants et à mes sœurs étudiantes qui sont déjà à l'ISEP et qui arrivent à garder la ligne. Je vous invite à vous organiser vous aussi pour tenir la main d'au moins un néophyte le 27 janvier prochain. Je voudrais également vous inviter à combler les vides que nous avions ensemble observés dans vos calendriers de formation. Vous le savez déjà que la date du 31 janvier 2024 était retenue, ça fait déjà plus de six mois, pour boucler les formations en cycle fondamental 1 et boucler les formations en cycle fondamental 2. J'espère que vous avez pris la mesure des enjeux et des défis qui nous attendent au cours de cette année. Le rendez-vous de juin sera pour les uns et les autres un nouveau test de capacité. Capacité relative à votre détermination, relative à l'endurance, toute qualité dont vous avez besoin pour progresser sur le chemin de l'initiation et de la connaissance. À l'endroit maintenant de nos compatriotes, ceux-là que nous appelons profanes, qu'ils soient d'ici ou qu'ils soient d'ailleurs, vous n'avez qu'un choix. Abandonnez les préjugés qui retiennent vos élans de sortir des prisons mentales
dans lesquels vous végétez depuis la nuit des temps. L'ISEP est la seule alternative crédible que moi je peux vous offrir. C'est pourquoi je vous invite à prendre la bonne décision. La bonne décision, c'est quoi? C'est d'entrer ce 27 janvier 2024 dans le rang des néophytes. Et c'est une étape nécessaire à votre préparation pour devenir étudiant 2 mois plus tard. Je sais que vous en êtes capable. Rapprochez-vous de nos bureaux pour les dispositions à prendre. Aux uns et aux autres. Je dis bien aux uns et aux autres. Souvenez-vous de notre chaîne de télévision qui n'attend que votre participation pour boucler le budget de l'année 2024. Vous venez de suivre le morceau chanté par cette dame qui a magnifié cette chaîne de télévision et vous êtes suffisamment conscient de ce que vous de ce dont vous bénéficiez une fois que vous vous scotchez sur nos programmes et nos émissions. Constituez comme vous le pouvez, c'est-à-dire vous allez vous constituer en comité d'appui au financement participatif de HMD4. Donc, vous vous constituez un comité d'appui au financement participatif de HMD4. Alors, si vous décidez à 20 d'apporter mensuellement une caution de 200 000, bon, vous n'aurez qu'à payer 10 000 francs. Mm-hmm. C'est-à-dire, vous êtes 20 et vous décidez donc de payer régulièrement 200 000. Donc, vous cotisez les 200 000 et vous mettez vos noms et prénoms, vos numéros de téléphone et puis vous nous envoyez ça. Maintenant, si vous êtes 40, vous ne paierez que 5 000 francs le mois. Mais en comité, c'est toujours mieux. Voilà. Et ça vous permet en fait donc, de vous donner la main. Mmh. C'est une stratégie qui a été essayée ailleurs et qui peut faire école ici. Il ne s'agit ni d'une mendicité de notre part, ni d'une quête que nous organisons. C'est pourquoi j'invite chacun à apporter son soutien sans hésiter et sans complexe. En mentionnant, comme vous le faites déjà, je dis bien en mentionnant comme vous le faites déjà, vos noms et prénoms, vos lieux de résidence et vos numéros de téléphone, vous vous démarquez de l'idée de la quête. Voilà. Et vous nous facilitez le suivi. Vous comprenez qu'il ne s'agit pas là d'envoyer tel ou tel montant en disant, bon, nous sommes dans une classe, nous sommes dans un groupe, bon, prenez 35 200 au nom de la classe, ou prenez 63 700 au nom de la classe, et que c'est notre quête de... Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de cela. Non, vous le faites, nous vous retournons purement simplement votre argent. Bien sûr. Mais si par contre vous êtes dans votre classe, et que vous êtes peut-être 15, vous êtes peut-être 20, et vous décidez d'apporter votre contribution, il suffit de mentionner sur le papier qui accompagne le montant, le nom, le prénom, le numéro de téléphone de l'intéressé. L'intéressé signe. Là, ça devient une collecte. Exactement. Et un appui au financement participatif. Alors, il y va de la défense de notre ligne philosophique et il y va également de la survie des valeurs que nous incarnons. Le maître a dit. Le maître a dit, une émission qui révèle les grandes leçons cachées dans les enseignements du maître. Le maître a dit, une émission qui vous rapproche de ce que le maître a dit au cours d'une émission passée. Le maître a dit, une émission qui vous conduit vers les orientations contenues dans certains ouvrages du maître. Prenez le rendez-vous. Tous les jours sur votre chaîne préférée, HMD4, la métaphysique, notre idéal.